Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'Hôtel des Postes. Le premier Hôtel des Postes d'Armentières ouvre ses portes en 1886 à l'angle de la rue de Lille et de la rue des Capucins. En 1916, le bâtiment subit de nombreux dégâts. Les services de la Poste seront transférés tour à tour dans plusieurs autres établissements de la ville et notamment dans les locaux de l'hôpital civil où un obus fera 5 victimes parmi les employés de la Poste. Lors de l'évacuation de la ville en août 1917, les services de la Poste sont transférés à Steinwerck. La guerre finie, la ville cède en 1925 le terrain de l'Hôtel des Postes en ruine pour y construire la caisse d'épargne qui se trouve aujourd'hui derrière moi et qui héberge depuis un office de notaire. Le nouvel Hôtel des Postes est lui reconstruit en 1928, quelques mètres plus loin, à l'angle de la rue Lille et de la rue Gambetta, et je vous y emmène tout de suite. Nous voici donc arrivés sur le site du deuxième Hôtel des Postes d'Armentières. Sur ce terrain se trouvait auparavant la grande pharmacie universelle Florimond-Dufour. Celle-ci avait été sévèrement endommagée pendant la Première Guerre mondiale, si bien que le terrain en ruine laissait le champ libre à la construction du nouvel Hôtel des Postes. Une plaque au nom de Florimond-Dufour est d'ailleurs fixée sur le mur pour rappeler l'historique des lieux. Le bâtiment de l'Hôtel des Postes a été transformé en logement en 2002 et les services de la Poste ont eu déménagé, place du Général de Gaulle. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire de ces différents édifices, je vous invite à venir consulter les documents et photographies que nous consultons aux archives municipales d'Armentières. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode pour vous faire découvrir la ville autrement.